À toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pourquoi je fais ça? Je ne sais pas. Le mec, il prend la seule journée où il veut sortir pour qu'il pleuve. Je sors ce matin 7h20, le lever de soleil 8h. Donc je vais tranquillement jusque le canal du Midi. Je mets mon drone, je commence à filmer. Voilà la première image que vous avez eue. Avec la rivière, voilà, tranquille. Et là, je vois quoi? La pluie. Ça doit faire au moins 2 mois. J'ai pas sorti mon drone. Je suis pas sorti tout court, même, à vrai dire, pour le côté un peu marche et filmer à l'extérieur. Ça doit faire au moins 2 mois que j'ai pas fait ça, ou 1 mois, on va dire, pour être large. Et le seul jour où j'y vais, il pleut. Et là, il y a à peu près un soleil. Bref, voilà. Hier, pas de vidéo. Comme je vous ai dit dans la dernière vidéo, je me suis focalisé encore sur mon jack. Et franchement, rien de passionnant. C'était juste du collage de papier et aussi un peu de sous-couche et tout ça. Je vous la montre, elle est juste ici. Je pourrais presque la découper, en fait, la découper comme ça pour pouvoir me faire un masque moi-même. En gros, je pense que ça peut être super sympa à réfléchir à ça, en fait. Pour l'année prochaine, peut-être pas pour cette année, parce que franchement, je vais être sincère, je commence à en avoir marre. J'ai tellement hâte qu'il soit fini pour vous le montrer, pour le mettre en place, parce que là, en fait, tous les jours, c'est chiant, en fait, tous les jours, tu vas remettre une truc sur la même chose, en fait. Et même si c'est des choses différentes, là, sincèrement, il commence à me saouler. Bref, donc j'ai renforcé, donc je ne sais pas si je vous l'avais montré, j'avais un côté qui n'était pas du tout dur. Là, je l'ai renforcé. Donc j'ai découpé les yeux, le nez a un peu mal fait, mais bon, c'est pas grave, et la bouche. Ensuite, je lui ai mis du papier, en fait, pour pouvoir faire, pour éviter d'avoir les multicouches de prospectus. Donc je lui ai remis du papier comme ça, en fait, voilà, emboîté comme ça avec de la colle. Mais le seul truc, c'est que j'étais obligé de refaire déjà une sous-couche, et de refaire la bouche, parce que avec la colle, ça a tout gondolé, donc ça lui fait une tête un peu bizarre. Après, on va dire que ça donne bien. Il me reste juste 2 choses à faire sur cette tête, 3 choses à faire en tout environ 3. Ah non, non, ouais, je vais vous montrer ça. Donc, la tête, il faut que je la peigne, que je mette un bout de tissu à l'intérieur pour cacher, ou je vais faire ça à la bombe pour cacher le noir. Mais bon, de toute façon, automatiquement, je vais être obligé de cacher le trou que vous avez là. Donc, je pense mettre un bout de tissu collé un peu à l'arrache à l'intérieur. Hein, tu connais. Tu connais l'arrache. Tu connais le freestyle surtout. Ensuite, il faut que j'y trouve un moyen pour le fixer. Voilà. J'ai fait hier la petite chauve-souris. J'arrive pas à défaire mon... Voilà. Mon appareil. J'ai fait ma... Je réponds juste à une question avant. On nous a demandé dans les commentaires qu'est-ce qu'on faisait de nos puzzles. Alors pour le moment, il est toujours en dessous. Mais le dernier puzzle qu'on a fait, il est là. Voilà. Tout simplement, je pense que je vais trouver une planche, le coller dessus, lui faire un cadre comme celui-ci. Et ensuite, ça ira, je pense, dans notre chambre. Voilà. Le jack. Donc voilà. J'ai fait hier en carton. Rien de bien compliqué. Je l'ai dessiné. Intérieur, ça s'est collé au pistolet à colle. Je ne sais pas encore comment je vais le fixer.
Je ne sais pas encore comment je vais le mettre, si je le mets là, je ne sais pas encore. Même ça, c'est du tissu, hein. Je ne sais pas si je vous l'avais dit, j'ai pris un vieux t-shirt des enfants pour pouvoir le faire. Il me reste donc ici à faire rentrer la tête, fixer ça, repeindre les mains parce qu'en fait elles sont un peu grises, un peu voilà, elles sont pas blanches et ça me chagrine. Et les pieds parce qu'il n'a pas encore de pieds. Voilà. Truc que je vous ai pas montré aussi, c'est cette. Attention les arachnophobes, cette grosse araignée. Donc si vous êtes abonné depuis l'année dernière, vous l'avez déjà vu. J'ai juste refait les pieds, les pattes, parce qu'elles étaient en papier mâché et le corps était beaucoup trop lourd pour les papiers mâchés. Donc là, je les ai fait en bois comme le Jack. Voilà. Et voilà, j'ai tout refait le papier, tout ça. Et la peinture. Je ne sais pas encore où je vais la placer. On a encore pas mal de petites décos d'Halloween, mais on ne sait pas où les mettre en fait. Parce que, bah, ici, voilà, là, je vais mettre le gros Jack, il va aller là. Je vais juste chercher j'ai un rideau noir en haut, je vais... Oh, regardez! Ah oui, parce qu'on nous a demandé des nouvelles de Raja. Elle est trop belle, elle est trop mignonne. Elle ronronne. Dis bonjour. Non, tu veux pas dire bonjour? Je sais pas si vous entendez le ronronnement. Bref, elle est trop mignonne. Juste pour les nouvelles, elle dort toutes les nuits avec nous. En fait, maintenant, elle me suit quasiment comme mon ombre. Voilà, on a l'impression, c'est une impression. Voilà. Que c'est mon chat qui s'est réincarné dans ce chat. C'est un truc de malade. Elle fait pas les mêmes miaulements, mais en fait elle réclame à manger comme elle vient d'arriver, donc c'est pour ça qu'on comprend pas pourquoi elle le fait. C'est que dès qu'on va à table, dès qu'on se met voilà, qu'on prend un petit gâteau ou un truc comme ça, elle se met à la jambe et elle miaule. Mais genre donne-moi un petit peu. Et mis à part ça, ouais, elle vient se blottir contre nous dans le lit et c'est un truc de ouf. Ça fait quoi? Ça fait une semaine qu'elle est dans la maison, une semaine et deux jours. Et on trouve qu'elle s'est super bien adaptée. Elle est en train de jouer là, avec son petit truc. Donc je vais parler de quoi? Je vais mettre un rideau noir, j'ai un rideau, un voilage noir en haut. Je vais le mettre, je vais l'accrocher sur cette étagère là. Comme ça, ça sera noir derrière le Jack. Et en plus de l'autre côté ici, il y a les vinyles Jack. Ouais, je sais, on voit rien. Franchement, luminosité zéro. Là, et donc en gros, je vais mettre le Jack ici. Mais bon, j'espère qu'il sera fini aujourd'hui. Voilà, mis à part ça. Ouais, je sais, il y a plein de mis à part ça. On a reçu deux nouvelles tasses. Corinne a reçu deux nouvelles tasses pour son anniversaire. Donc merci Céline. Donc dimanche, on a été en fait manger des gaufres chez Céline. Et elle a offert deux nouvelles tasses à Corinne. Ce qui fait un total ridicule de, non mais j'avoue, 160 tasses. On a 160 tasses, c'est énorme. C'est abusé, je trouve, mais bon. Après, Corinne, elle a dit qu'on arrêtait à 200. Je ne pense pas qu'on arrête à 200, mais bon, voilà, bref. On a reçu la Ursula, je vais essayer de focaliser, voilà, avec un doigt, une main. La Ursula, comme ça, avec écrit les vilains. Mais je préfère vraiment celle-ci, je la trouve trop stylée, donc c'est Ursula aussi. Donc voilà, avec marqué Ursula, the ocean will be mine. L'océan sera à moi. Voilà, bref, je vais aller peindre ma tête de Jack. J'ai enfin fini. Eh, regardez, c'est le retour de la choupette. J'ai enfin terminé ce Jack. Tu peux voir la taille. Voilà, il est plus grand que moi, il doit faire peut-être 2 mètres. 2 mètres, je suis plutôt content du résultat, même si, voilà, moi je vois tous les défauts.
Mais voilà. Qu'est-ce que vous en pensez ? Il est trop beau ! Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai fait de plus depuis... Je lui ai rajouté ça. Je lui ai rajouté... C'est ma bouche ! C'est ma bouche, j'ai fait des chaussures et en fait Corinne trouve que ça ressemble à des babouches. On le voit pas hein, parce que c'est noir sur noir. Voilà. Et mis à part ça, donc j'ai rajouté un bout de tissu. Voilà, je vous montre pas l'arrière parce qu'en fait, c'est ça le, on va dire la magie du truc, c'est que quand tu regardes comme ça, c'est plutôt stylé, mais quand tu regardes l'arrière, c'est voilà, c'est ouf. Bref. Là, il est 18h47, à vrai dire, j'ai pas filmé de la journée, j'ai fait ça, et là, je suis en train de faire autre chose. Je pense que je vais commencer à vous en parler, parce que, oui, c'est sûr, tu es en train de te dire, ouais, le gars, il passe sa vie sur les... sur ça, bien sûr que non, hein, je ne passe pas ma vie que sur ça. J'étais en plein test d'un truc, et donc techniquement, il y a un truc qui doit arriver là. Voilà, mais je vous en parlerai d'ici peu. Et ça m'a franchement bien pris la tête. Mais bon, bref, je vous en reparlerai, on va dire, au moment venu. Voilà, en fait, ouais, je sais pas, on verra. Bon, mis à part ça, deux choses. J'arrivais pas à régler le truc, bref. Il y a des nouvelles tasses qui vont arriver incessamment sous peu. Alors, je sais pas si l'offre y est toujours... Mais sur VP, donc V-E-E-P-E-E, pour ceux et celles qui ne connaissent pas, .fr, .org, .com, bref. C'est anciennement vente privée. Il y avait des ventes privées, donc de shopdisney.fr jusqu'à quasi. Il y avait certaines choses à moins 70. Je crois qu'on a réussi à avoir une tasse à moins 63%, si je me rappelle bien. Donc techniquement on devrait les recevoir très bientôt. On a hâte de les recevoir, on a commandé quoi, 4 et elles étaient toutes minimum à moins 50%, donc très bonne affaire. Donc n'hésitez pas à les voir hein, sur VP. Et mis à part ça, faut que j'arrête de dire mis à part ça, je voulais vous parler d'un petit truc aussi super sympatoche qu'on a découvert il y a très longtemps, mais qu'on n'a jamais testé à vrai dire. Je pense que même beaucoup de gens connaissent, mais l'ont déjà entendu parler, mais l'ont jamais testé. C'est Igral. Igral, pour ceux et celles qui ne connaissent pas, voilà. Je vais vous expliquer. Je bégaye, mais de ouf. Ça se voit quand c'est le soir que je suis fatigué. On est réveillé depuis quasiment 5 heures ce matin. Corinne a embauché. Bref, allez, je raconte pas ma life. Quoi, les vlogs, c'est fait pour raconter sa life? D'accord. Donc, je me suis fait très tôt ce matin. Voilà, j'ai perdu le fil. Igral, donc je précise, je ne suis pas du tout sponsorisé par cette application. Il y a une application et un site internet, et en fait, c'est un truc de ouf, dans le sens que tu achètes sur internet, et selon certains sites, je précise, selon certains sites, tu as un cashback, donc c'est-à-dire de l'argent, et on te redonne de l'argent. Pour exemple, on a commencé à acheter des cadeaux de Noël, t'as compris, et on sait jamais, il y a peut-être des enfants qui regardent. Et donc on a acheté ça sur Cdiscount, et en fait sur la somme qu'on a dépensée, on nous a reversé quasiment 5 euros. Donc ces 5 euros sont sur un site, voilà, et dès qu'on a 20 euros, ils nous les redonnent, en fait ils nous les retransfèrent sur le compte en banque. Donc c'est plutôt stylé, voilà, juste pour faire mon influenceur un peu. Dans la description, je mets un lien de parrainage où vous aurez directement 3 euros de crédité. Pour être sincère avec vous, j'aurai 3 euros aussi, hein, c'est gagnant-gagnant. Voilà. Donc voilà, donc n'hésitez pas à aller vous inscrire et de checker tout ça pour ceux et celles qui font pas plein de commandes sur internet. Là, à vrai dire, nous, donc vu qu'on fait pas mal de petites commandes, donc ça marche. En plus, ça marche de ouf, ça marche sur Cdiscount, sur Conforama, on a acheté un truc de ouf. non, je déconne. Cdiscount, je viens de le dire. AliExpress pour tous ceux et celles qui kiffent AliExpress.
Bref, plein de sites. Donc, je vous mets le lien du parrainage dans la description. Voilà. Et je vais arrêter là parce que je bafouille tellement. Je suis tellement mort de m'être levé aussitôt. J'arrête de me planter. Pouce bleu, tout ça, tout ça. Je vous dis à demain, cette fois.